Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Endling Extinction is Forever. On est toujours à la poursuite de notre petit renardeau et on en apprend davantage au fur et à mesure. On va voir tout de suite ça en jeu. Et voilà, donc on est dans notre petite tanière avec maman Blaireau et son petit. Il nous manque deux compétences et on est quand même plutôt pas mal au niveau des odeurs puisqu'on progresse. On voit qu'il nous reste trois zones, trois recherches. Donc 3 fois 3, 9, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, ça progresse. Nous voilà donc pour une nouvelle nuit. Une nuit qui nous amène par là avec des odeurs encore. Donc décidément il a ah il est revenu. Ok, il est revenu. Il était pas là hier, il est là aujourd'hui. Visiblement, il a encore déplacé Molly et notre petit. J'entends un roux. Un roux, roux. Roux, 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 roux. Je t'entends. Je sais pas où tu es, mais je vais te manger. Il doit être loin, je le vois pas du tout. Ok, on le voit qui pousse et visiblement Molly est tombée un petit peu. D'ailleurs, on n'a pas du tout regardé. Est-ce qu'il y a des éventuels? Il y en a des ventes par là. Ok, on va voir si ça nous y amène. Bon, alors, faisons la compétence du petit. Petit ver de terre, ça coûte rien. Oh, un pouletto. Oh, un humain. Pas de chance, on les voit pas en plus les humains sur le. On va tourner. J'espère qu'on va tourner. J'ai peur. On va essayer d'être discret quand même. Ce rat n'est peut-être pas la meilleure des choses à aller chercher. Ok, la dernière chose qui nous attend est là. Et visiblement, ils sont redescendus avec Molly qui tient toujours notre petit. Je l'ai pas eu. Je peux monter. Ou pas, il est en bas en fait. Ouais, ah non, mais c'est une poubelle ça. Enfin, je veux bien manger la poubelle, mais... Niveau gustatif... Ça manque quand même d'intérêt. Oups. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin du tout. Et les ventes par là est bien trop loin. J'ai pas envie d'y aller. Quoique la nuit est peut-être pas forcément trop avancée. On peut peut-être se permettre. Déjà, on va avoir des baies.
doit pas être très loin, on n'est plus très loin. Et on a juste à faire demi-tour. Ok, c'était un... C'était un spot pour le pelletier. On sent quelque chose. J'ai senti quelque chose par là. Ah, ça va loin. Ça va loin, ça va loin. L'avantage, c'est qu'ici, on peut passer en étant ni vu ni connu. Et on mangera peut-être quand même hein, cette poubelle demain, parce que là, c'est vrai que... On n'est pas très bien niveau santé. Ça va encore, hein, on va pouvoir trouver de la nourriture, mais... On voit que j'ai pas trop cherché de nourriture et que du coup... Eh ben, ça descend, ça descend. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a deux events par là. Décidément. Je peux passer, je pense. J'entends la musicienne, donc je pense qu'une partie de les ventes, c'est la musicienne. Et c'est même probablement pour ça. Ouais, ça c'était quoi? Pourquoi j'ai entendu un coup de feu? J'aime pas ça. J'entends un chien aussi. Censé avoir un humain. Oh là là, j'aime pas ça, j'ai peur. On peut aller par là. Il y a le chien. Il y a Molly. On peut pas passer lui dire bonjour, visiblement. On va grimper. Rester en furtif, on va essayer d'avoir ce poulet, ce pigeon. Il veut pas, hein, même quand je suis en furtif. C'est quand même vachement flippant. Je vais en avoir un autre. J'ai zéro réflexe. Hein. C'est pas comme ça qu'on va survivre. Ici, on est là. Je pense que quand même le plus simple pour rentrer, ça va être par là. J'irais bien voir un peu quand même c'est quoi ces choses. Voir un peu la maison, mais... Et on a vu que ce terrier de blaireau ne nous permettait pas d'aller là où ça nous arrange. Ici, il y a des baies, on va les prendre. Hop, hop. On va les prendre tout de suite. Ok, là, ça va être un cul-de-sac. Ok. Un cul-de-sac, en tout cas, tant que j'ai pas débloqué la route ou que des événements ne m'ont pas permis de débloquer la route. On va peut-être courir un peu, quand même. J'aimerais bien voir un peu ce qu'il y a par là. Il y a peut-être moyen d'avoir un petit peu de bouffe. Ah, il y a un rat ici.
Comment je descends pour voir Sora? Ah, je descends pas. Ok. Parfait. On a appris chasser comme compétence. Ça, c'est parfait. Par contre, on va pas se mentir, on va rentrer. Hein. On va regarder la carte. Le plus simple, ça va être de repartir par là où on est passé. Donc, au revoir les chiens, je vous entends aboyer. Hop. On pourrait passer par là. Ça pourrait être une solution. Ah non, il y a juste l'arbre qui a un cul-de-sac. Ok, oui, je suis dans le cul-de-sac. Je suis dans le cul-de-sac, je suis dans le cul-de-sac. Le non-cul-de-sac est par là. De l'autre sens. De l'autre sens, chouchou. Faut descendre et aller dans l'autre sens. Sois pas con, chouchou. Voilà. Les petits arrivent. Hop, voilà. Pas du tout par là. J'ai zéro sens de l'orientation. Hop, par là, tout droit. On va quand même faire attention parce qu'il y a des humains. Alors, solution 1, on fait le tour par là. Solution 2, on passe par là et on... Ok, solution. On va prendre la solution que nous indique le jeu. Ça va nous éviter de passer à côté du récupérateur. Enfin, en vérité, on va quand même passer à côté, mais... Oh, oui, un poulet tout. Voilà, pour le manger, je l'emmène tranquillement. J'aime pas tous ces humains. Il est ici, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Attends, je me traîne. On se traîne tellement. C'est flippant. Voilà. Mangeons ce pouletto. Vous le mangez pas? Pourquoi vous le mangez pas? Bug? Mais cette loose, il mange pas le pouletto? Putain, j'ai tué un pigeon pour rien, c'est ce que vous me dites? Bah merde. Bah, du coup, je vais rentrer avec, hein, avec un peu de chance. Ça va faire exactement comme là. Hein. Ça va nous monter un petit peu notre jauge de faim. Je pensais pas que c'était possible, en tout cas. Petit bug pas très agréable d'avoir pas pu manger ce pouletto quand j'en avais besoin. C'est pas grave, on va faire une autre journée. L'épisode est encore un peu court, donc on peut se permettre de faire une journée de plus. Enfin, une nuit de plus en l'occurrence. Et on a de nouveau des odeurs de notre petit. On voit qu'on arrive doucement sur la fin, hein, ça s'accélère. Hop. Ici, on a toujours la poubelle, normalement qu'on n'a pas. Ah si, je l'ai déjà éventré la poubelle. Ok.
Ça doit être les baies qui ont dû repoper, qui vont être pas très loin. C'est l'avantage des baies. Hein. On n'en avait pas beaucoup dans la forêt quand elle a été déboisée. Ah! Grrr. J'entends le houhou. Est-ce un houhou de pigeon ou un houhou de hibou? J'ai l'impression que c'est un houhou de hibou. On peut descendre là. Ok. Je vais arrêter d'être en furtif. Des baies, je vais la prendre. Pas la manger. On la posera. Parfait. On va la poser là. Ok, visiblement, il a fait boire quelque chose à Molly. On a vu qu'elle était tombée. Et elle tient à tenir à notre petit renard. Elle est adorable. Par contre, le chemin nous amène par là. Ici, je ne m'abuse. Par là, il y a la dernière compétence qui nous manque. On ira peut-être la chercher. Sauf si on se tape des humains. Y a-t-il un endroit où se cacher en attendant l'humain? On va se mettre là. On est là. Je sais pas du tout comment. Comment l'humain va se comporter. Ici, il y a de la bouffe. Ce qui est plutôt cool. Par contre, ouais. Ok, l'humain est passé. On va y aller. On va courir un petit peu. Et le jeu nous fait passer par là, alors qu'il y a sans contexte, sans conteste des blocages, parce que là on va pas pouvoir passer en fait. Donc demi-tour. Salaud, je suis coincé là. Je suis terriblement coincé là. Parce que là, soit on va tout droit. Et il y a la lumière, soit on va comme le jeu voudrait qu'on aille par là, et il y a la lumière. Autrement dit, un humain d'un côté, un humain de l'autre. Voilà. On va recommencer la journée. Il faut effectivement pas chercher à contourner cet humain. Il va falloir trouver un autre chemin pour y accéder. C'est parti! Eh oui, notre vitesse sera réduite en cas de blessure, on l'a vu. Hein, le chien l'a vu aussi, hein, le chien qui nous a bouffé. Alors, du coup, on y va. Hop. On perd pas de temps, on prend. La baie qui est par là. Hop, on la pose. Hop. Je laisse le temps aux petits de nous rattraper. Je prends la baie. On la posera devant. La chose qui est là. Donc, premier indice avec Molly qui boit, trouve la gourde. On n'a pas faim, on a déjà bien mangé.
On sait qu'il y a un burger par là. On sait que du coup, il faut pas passer devant l'humain par ici. On va donc passer par là. Ça, c'est marrant. Du coup, il n'y a plus le burger. On va essayer de trouver une solution. On est ici, on peut remonter. On va monter. Ok, ici. Ici, on va être que deux à pouvoir grimper. C'est pas forcément très grave en fait. C'est-à-dire qu'on va faire demi-tour. Mais normalement... Ça va quand même nous permettre de faire des choses. Ok, on arrive là. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Peut pas faire mieux. Hein. Je fais... Ce qui me semblait qu'il y avait une possibilité d'avoir un event avec une. Ah, peut-être là. On est très loin des. Voilà. Voilà, on va apprendre la dernière compétence du coup, et on va rejoindre les autres. Hein. Voilà. Par contre, on n'abandonne pas les autres. Hein. Paf. Les autres, je les ai abandonnés de ce côté-là. Voilà, donc on en est toujours à essayer de trouver notre petit. Il y a un event là-bas, ça devait être une diversion. Là, j'ai pas dû faire la diversion. On sait que nous, le jeu nous demandait d'aller par là, sans doute par ici. Contourner, ça fait quand même loin. Mais j'ai pas vu, il y a peut-être moyen de redescendre par là. On va essayer d'y aller. On passe courant sur la carte. Oui, parce que là je me gourre complètement de sens. Ok, sauf que c'est un cul-de-sac. Je peux rien faire à part grimper. Fail. Non, fail, fail, fail. Du coup, on est ici. Eh ben, on va continuer tout droit, du coup. Dans la direction où il y a un fucking humain. On tourne. Pas le choix. Ça va être dangereux, j'aime pas ça. J'aime pas cette grosse zone de danger rouge. J'aime pas le message. Votre petit-fils est déjà mort. Allez. On n'est pas là, humain, tu nous as pas vus. J'aime pas, c'est compliqué de savoir où aller. On va y aller un petit peu plus vite. C'est déjà la fin de la nuit.
Ok, on va aller dans les égouts. C'est déjà un petit peu moins dangereux pour nous, les égouts. On va aussi pouvoir se permettre de courir. Visiblement, Molly vomit carrément. Ou recracher en tout cas peut-être l'eau que ce qui semble être son papa hein, du coup hein, lui a donné. Il nous reste un dernier indice. Visiblement, elle s'est écroulée. Ils ont fait une pause. Maintenant, reste à déterminer la manière la plus simple de rentrer à la maison. Ça pourrait être profiter du fait qu'on est dans les égouts pour rejoindre l'autre tanière, mais elle est un peu loin. Sinon, en théorie, on doit pouvoir remonter. D'une manière pas trop moche, en espérant que le pelletier n'est pas trop loin. Alors ici c'est des poubelles. Ce serait bien de manger un petit coup quand même. Un rat déjà mort, je sais pas si c'est la meilleure chose à manger. Je sais que tu sais. J'aime les messages sur cet endroit. On va laisser le temps au petit de manger pour se repérer. On est là. Peut-être qu'aller dans l'autre sens serait plus pertinent. Les petits ont un peu de mal à suivre. Ah, sauf que non, parce que c'est un cul-de-sac, on va pas pouvoir remonter en fait. Vu qu'on en a qu'un qui sait remonter. C'est une idée foireuse. Et ici, je suis pas sûr qu'on puisse remonter non plus. Donc du coup, enfin on peut probablement, mais au milieu de l'usine, ça reste dangereux, j'aime pas ce que je vois. Ben non, on peut pas par là. On peut pas par là parce que c'est par là qu'il y avait les humains la première fois, ce qui nous a empêchés de passer. Donc les petits ont du mal avec l'eau. Qu'il faut effectivement repasser au milieu de l'usine. Par là, je pense. Ça va être chaud. Alors j'y vais doucement, mais pas discrètement. On espère que ça va pas me coûter la vie. Le jeu me propose de passer par là, ce qui me paraît tout à fait pertinent, je suis d'accord. On va courir un petit coup. Les machines sont flippantes. Les humains sont flippants. J'aime pas le fait que ce soit pareil. Ok, l'humain visiblement est pas tout à fait. Ou en tout cas, la zone de danger est pas tout à fait là où on en a besoin. Elle est plutôt en fait juste là où on veut aller en fait. C'est ça que vous me dites. C'est ça, c'est ce que vous me dites. L'humain qui me gêne est là.
peut théoriquement faire tout le tour, du coup. On a vu, il y a un humain. Hein. Je l'ai vu. Faut juste, du coup, que lui nous voit pas. Hop. Et on ressort par là. Alors, on va faire la compétence du petit quand il va arriver. Commence à avoir faim quand même. Les nuits sont tendues, hein. Les nuits sont réellement tendues. Hein. J'ai du mal à être bien au niveau des timings. Voilà, il a mangé son ver de terre, il va nous rejoindre. J'ai l'impression que la pluie fait laguer mon PC en fait. Ici on peut remonter. On arrive donc là, je sais plus si on... Oui, on va pouvoir descendre, on va pouvoir aller en ligne droite, hop. Voilà. C'est terriblement chaud. Mais on aura réussi à passer la nuit. Et avoir toutes les compétences, du coup. On va donc s'arrêter là pour cet épisode. Ça commence à devenir tendu, réellement. Ça fait plusieurs nuits que je reviens pas avec l'estomac plein. Mais en tout cas, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Parce que moi, le jeu me plaît, même si ça me stresse énormément. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !